Dans cette vidéo, on a pour objectif de retoucher vos profils Tinder dans le but de vous aider à trouver l'amour. On va te faire le profil de l'année. Wesh. J'ai vu récemment sur une étude que les selfies n'étaient pas du tout appréciés sur les sites de rencontres. Tu poignes pas. Non, tu poignes pas du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, je suis avec Oubi, le spécialiste en chef de la retouche photo. Et on va s'occuper de retoucher vos photos de profil Tinder. On va être invité pour les mariages et tout ça aussi, hein. Ah oui, ça c'est sûr, hein, c'est ça. Marraine, parrain, pour les enfants, tout est réglé. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer via l'adresse mail qui s'affiche juste ici vos profils Tinder. Et on va devoir les découvrir maintenant, puis essayer de les améliorer en tant que coach de séduction. On va vous pimper vos faces. Et vos fesses. Et vos fesses. C'est parti, on n'a vu aucun profil. J'ai très hâte de pouvoir découvrir ça maintenant. On a le petit profil de Gauthier. Amateur de séries, de films et de musique, fin gourmet et passionné de cuisine. Sa photo. Mmh. Très classique, un peu créatif. Oui, un petit peu. Est-ce que c'est ça la photo? Ouais. Ah, mais il faut faire torse nu, sinon ça ne poigne pas. Je vous le dis déjà. Pour les filles, les boobs. Pour les garçons, torse nu, sinon ça ne fonctionne pas. Mais... on pourrait mettre sa tête X-Men, super-héros. Ouais, mais moi je le vois bien. Ouais. Ouais, 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 je le vois bien comme ça. Un truc un peu comme ça ouais. Ou... Ah oh, ouais. Et on retouche sa tête dedans. Maintenant, on a notre petite tête de Gauthier. Et incrustée. Oh, ah non, mais regarde, ça va être vraiment bien. Ça fait mystérieux après avec les lunettes et tout ça. Mais Gauthier, là. Taux de réponse, 9 sur 10. Moi, je swiperai à droite. Directement sur Tinder, je likerai direct. Tout le temps. Bang, 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 bang. Gauthier, c'est l'homme parfait. Superman, il a les pecs, les abdos, les bras, les lunettes. Il a tout. Tout. Première poule en effet. Raphaël qui nous dit, voilà, amuse-toi, t'inquiète, on va s'amuser. Là déjà, c'est un gros gourmand, hein, le Raphaël. Hein. I want my bacon. Direct, là, moi, je le verrai avec plein de chocolat ouais. Autour de la bouche. Il faut retoucher l'iPhone et mettre comme un beignet ou quelque chose comme ça. Une tranche de bacon avec... Yeah. Ah ouais. Gourmand. Ouais, petite et longue, ça perd une popette. C'est quand même énorme, hein. En même temps. Il aime bien les choses grosses, un petit coquinou, Raphaël. Moi, je me pose la question, à quel moment donné tu poses avec une cuillère et ton téléphone de l'autre main? Moi, peut-être il peut être nourri. Ah, donc il faudrait lui ouvrir la bouche. Ouais, là, et un petit bavoir. Ouais. Il faudrait que la soupe est bonne. Ça, c'est, ça, c'est mon raf, ça. Maman, c'est la meilleure. Ah non, mais mieux, maman est bonne. Maman est bonne. Là, on est vraiment sur un profil qui matcherait à 99% des cas, là, direct. Hein. Voilà. Merci Raphaël. Donne-nous des nouvelles si jamais ça fonctionne pour toi sur Tinder. J'ai très très hâte de voir. Il y a du bacon, il y a le côté attendrissant et enfantin et tu sais qu'on aime bien, sensible de chez un garçon. Ludique. Ludique aussi, ouais. Raphaël, tu as tout pour réussir. On passe à la suite. Raptor Jesus. Raptor Jesus. Le propre de l'imbécile est justement de croire impossible ce qui dépasse son entendement. Je comprends pas la phrase. Moi non plus. On pourrait rajouter un peu de moustache là en dessous pour faire plus viril. Il a l'air triste sur sa photo. Mais il a des beaux yeux. Mais triste. On pourrait, tu sais, le rendre heureux, ouais, oui. Lui mettre un sourire avec oui. Des dents. Oui. Il faut que tu montres que toi, tu vas être quelqu'un de rigolo. Ouais, ou en même temps, ça fait aussi un peu sombre. Un peu poète. Ouais. Un peu comme Kafka. Tu connais Kafka? Non, je connais pas. Ah non? Non. Culture générale. Oui. Avec des petites lunettes. Un livre. Dans la voiture. Dans un scénario un peu baroque. Ah oui, mais le mettre au coin du Louvre. Ou... Ouais. Il pourrait lire devant ça. Oui, il a l'air quand même un peu intellectuel. Gauthier, t'es un bon parti pris. Il faut juste que les meufs arrivent à le voir. Ou les mecs. Regarde déjà la phrase, personne comprend. Avec son futur époux ou épouse, va partager cette secret de non-confiance. Cet air assez intellectuel. Parfait. La culture, la beauté, la sensibilité, tout est là. Actuellement, tu vas aller saisir les personnes qui te correspondent ah oui. Sur Tinder. Par contre, je ne sais pas si ces personnes-là se trouvent sur Tinder. Sûrement. Puis s'il y a quelqu'un qui aime la poésie et qui serait vraiment intéressé par Gauthier, d'ailleurs, ouais. Écrivez-nous dans les commentaires. Je vais pouvoir vous faire rencontrer. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire. Ok, on est prêt à activer. Donc là, prochain candidat. Oh, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Tout est là. Le tatou, la virilité. PL, pourquoi ça fonctionne pas? Notre ami PL Cloutier, youtubeur. Oh, ah mais là, les photos, incroyables. Hein, celle-là, moi je le verrais bien avec porter la croix quoi, de Jésus. Hein. Ou
sous la Titanic. Oh oui, ça. Avec Leonardo derrière. Ah ouais. Oh là là. On va te pimpimpel. Ah oui, là je le vois bien à l'avant du paquebot. On va te faire le profil de l'année. Tes rêves vont devenir réalité. Et lui, c'est le... Prends-moi. Ah oui. Mais là, ça fait vraiment sans mon aisselle. Ah attends. Ouais. Mais on va enlever l'aisselle quand même. C'est Leonardo DiCaprio et PL. Directement là. Yeah. Par contre, il n'y a aucune description. Hein. Faut dire si tu aimes des grosses cornichons ou les petites. Ou, c'est ça, les acidulés, si ouais. Tu aimes la bouffe sucrée, salée, tu vois, un petit peu piquant, picante. Lion et les ascendants Lion. Oui. Les signes astrologiques, c'est important. Mais PL, il croit pas trop aux signes astrologiques. Hein. Donc grave. Il pourrait dire, je suis lion, mais je ne crois pas à l'astrologie. Par contre, je veux bien que tu m'en apprennes plus sur qui je suis. Poétique. La taille de notre amour n'est pas importante, seulement le liquide qui en sort. Seulement le fleuve de notre passion qui en découle. C'est ça. Tu vas à Los Angeles, tu vas réussir, on t'a fait un profil international. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que c'est réussi avec PL. Moi, je trouve que c'est quand même génial. Next. Il n'y a pas de fille. Sarah, je te transmets mon profil Tinder pour le fun et parce que le célibat, c'est dur. Ouais. Je me cherche une blonde et pas un chum. Une belle blondasse. Elle est vraiment mignonne. Non, vraiment belle, Sarah, qui se cherche une copine. Ah, mais ouh, regarde. Ça, c'est sexy, Sarah. Hein. En plus, l'image derrière laisse prétendre de la touchitude. Hein. L'ouverture. Donc, c'est quelqu'un d'hyper ouverte. Mmh. On a de l'espoir pour toi, là. Elle est rêveuse, mais elle est quand même la tête sur les épaules, Sarah. Moi, je pense qu'elle aime le chat. Bah oui, ça, elle aime les chats, ça, c'est sûr. Elle aime le chat. Il faut mettre plein de petits chats autour. Un petit chat pour cacher sa chatte à elle, parce que là, on pour est... Pour rentrer plus mignon, regardez. Bobby. Oh, c'est trop mignon. Si elle est assise au bord de la plage, en montrant que son chat, sa chatte est très sociable. Nia, yeah, ça rajoute tout de suite un air un peu tropique. On est sur quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un de pétillant, qui adore les chattes mais qui est quand même assez indépendante. Parfait. Parfait. Moi, je pense que là, Sarah, tu vas matcher directement. Sarah, elle était déjà bonne au début, hein, mais là, elle est fantastique. Ah, il y a Cindy Cat Lady. Oh. Cindy, 28 ans, qui cherche un homme pour essuyer sa vaisselle. Oh. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, Cindy. Pour être intelligent. Voilà, savoir où est-ce qu'on s'en va. Bref, l'homme parfait qui fait la vaisselle, qui fait le ménage. Si tu portes des jeans plus bas que tes fesses et que tu marches les jambes écartées comme si tu avais une crotte au cul. Mais il faut le formuler un peu différemment, je trouve. C'est un peu trop dominatrice, je trouve. Mais ne t'inquiète pas, Cindy, aujourd'hui, tu es tombée sur les bonnes personnes et on va être capable de t'aider et d'aider ton destin et de l'orienter. On pourrait mettre des petits signaux comme anti-fumeur, anti-jean baggy, oui. Des choses comme ça. Ouais, exact. Comme des pancartes. Ah oui, oh, Cindy, tu aimes pas les fumeurs de cigarettes. Comme ça, ça fait déjà une sélection naturelle. Fumeur à gauche, non-fumeur à droite. Ensuite, Cindy n'aime pas les hommes qui font de la chasse. Et là, si t'écris comme un enfant au primaire, donc on va pouvoir lui dire si tu es plus âgé qu'un enfant de primaire, plus de 10 ans. Voilà, ça c'est clair. Et finalement, on a le dernier, le baggy. Là, il faudrait vraiment mettre un panneau spécial, hein, parce que là, celui-là, ça la répugne direct. Un rond. Oui. On va mettre le... Interdit. Oui, exactement. Ça fait aussi un peu étrange, c'est trop proche de la bouche. Hein. Directement. Non, ouais. Ouais. Les mecs sur Tinder ne lisent pas les descriptions. Oui. Donc, de toute manière, ils vont le voir directement sur tes petites images, ce que tu veux réellement. Mmh. Et là, on est sur du concret et sur de la qualité. Message très clair. Next. Antoine, donc en première année de droit à la Sorbonne à Paris, fais-moi kiffer, rire, rêver, on est deux à vouloir la même chose de toute façon. Je comprends pas. 18 ans, 21 ans? Déjà mensonge sur ton profil. Pourquoi il y a cette seringue? Ok, next. Brian, très beau sourire. Sympa. Bord de la mer qui fait rêver, coucher de soleil, etc. Pour moi, il y a beaucoup de chance sur les marchés, non? Oui, mais là, cette photo, c'est un peu comme tu veux être avec lui, non? C'est un beau coucher de soleil, c'est comme c'est déjà pas mal. Ouais, mais moi, je me pose la question, tu vois, il y a un petit bras en bas à droite, il est avec qui, justement? Tu penses à une photo qu'il a prise avec sa ex-copine? Ben, moi, je pense que ça fait photo de ex-copine. Là, je vois pas qu'il est célibataire, le mec. Une petite, tu sais, écharpe avec écrit célibataire dessus.
Ça c'est bon, prêt à se faire marier, prêt pour le mariage. Ouais. Il devrait donner le message qu'il est prêt à se faire marier. Ouais, ça c'est vrai. Donc là... Wedding chapel à... À Las Vegas. À Las Vegas. Ready for the single ladies. Et il lui faudrait un bouquet de fleurs quand même dans les mains. Oui, oui, et les bagues. Tu incarnes à toi-même et seul le rêve américain. Limite dans la description, il pourrait noter « Je vous paye le billet » quoi. Ah oui. C'est du tout inclus chez Brian. Hein. Limite, on se marie quand? Parfait. Bravo, Brian. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que Brian est un homme à marier. Hein. Donne-nous des nouvelles de ton mariage. Where is Brian? Moi, je trouve qu'on a été bon, oui. Ah oui, je trouve aussi. Ouais, je trouve que la love machine a bien fonctionné. Ça devrait swiper à droite tout le temps maintenant. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui veulent nous envoyer leur profil, vous pouvez toujours nous les envoyer via l'adresse juste ici. Je suis convaincue de notre potentiel de coach amoureux. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous. Dites-nous dans les commentaires quel est le profil selon vous le plus séduisant en l'écrivant juste ici. Allez donner un maximum d'amour à Ubi sur sa chaîne. Merci beaucoup d'avoir participé à ce merveilleux challenge avec moi. C'était trop bien. Et n'oubliez pas de rejoindre la famille en vous abonnant à la chaîne. À la semaine prochaine, je vous aime. Bye.